Amour les uns pour les autres. L'évangile des béatitudes indique des chemins de sainteté qui sont une démarche concrète et accessible à tous. Prions les uns pour les autres afin que nous devenions tous des saints. Prière de vous lever pour débuter la célébration en chantant. Seigneur. Célébrons ce jour de fête à l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour mon Père. Aujourd'hui, nous fêtons tous les saints et nous sommes tous appelés à la sainteté. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Bonne fête à vous tous.
Entrons maintenant dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
affaires. Toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'Agneau de Dieu. Tu es notre frère. Moi, célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, les versets 2 à 4, puis 9 à 14. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avait reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de tous les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se
prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ?» Je lui réponds, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherche ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherche ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de cherche ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas.
c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec nous toutes. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Matthieu qui saint. Matthieu chapitre 5, saute verset 1er, rivé verset 12. Le sa, Jésus, ouais, foulio, li monte sous mon nom. Quand le chita, disciple yo, proche côté. Li l'ouvri bouche li commence ba yo, enseignement, li dit. À la contentement pour monde qui pauvre, grâce à esprit, parce que c'est pour eux-mêmes pays roi ciel yoyé. À la contentement pour monde qui doux, parce que eux-mêmes y a possédé terre. À la contentement pour monde qui n'a la peine. Parce que eux-mêmes y a besoin consolation. À la contentement pour monde qui grand goût, qui soif justice là, parce que eux-mêmes y a besoin contio. À la contentement pour monde qui gain miséricordio, parce que eux-mêmes y a besoin miséricorde. À la contentement pour monde qui s'entache dans cœur yo parce que yo même y a ouais bon Dieu. Thank you.
même qui déjà précédé nous sur le chemin ciel là, n'a partagé avec vous contentement, vous déjà appuyé dans le ciel. Et fait, je dis à tout, lui fait nous songer que destination finale, nous toutes, avec nous chaque, c'est pour la au côté de Dieu dans le ciel. Dans l'occasion ça, nous recommandons tout texte, parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui, nous projetons vers le ciel. Nous projetons vers la sainteté. Nous projetons vers la perfection. Oui, les textes bibliques de ce jour nous annoncent une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous appelés à devenir des saints. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous invités à la perfection. Dieu nous attend tous du lieu de sa maison de paix, sa maison de joie, sa maison de bonheur. En cette occasion, nous avons écouté la lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean. Apocalypse, ce mot qui nous fait penser à une catastrophe, mais en réalité, il s'agit d'une révélation. Le livre Apocalypse vient nous révéler le but de la vie chrétienne. L'auteur de ce livre, Jean, il veut nous encourager à être des chrétiens parfaits. Tenez bon, nous dit ces gens, le mal n'aura pas le dernier mot. Ce jour dit nous pour nous qu'aimer faire, parce que mal là n'est pas capable de remporter la victoire. Nous capable de dire, message. Ces gens, c'est un message qui est spécial pour nous-mêmes haïtiens, je ne veux dire. Nous-mêmes haïtiens, c'est comme si nous n'avons pas tout le mal qui existait, je ne veux dire. Et voilà, ces gens, ce matin, nous apporte un message de consolation. Tenez bon, le mal n'aura pas le dernier mot. Oui, nous sommes appelés à la plénitude de la joie. Nous sommes créés pour le bonheur. Tous ces morts que nous pensions emporter dans la tourmente sont avec Jésus dans le bonheur. Dans le bonheur de son royaume. C'est ce que nous exprimons à travers la messe de ce matin. Tout cela est ouvert à nous, à nous, petit nous, nos pensées. Parti et qui parti net, mais ce matin, il rappelle que il n'y a pas parti net, que nous avons déjà allé dans le monde Dieu dans ce ciel-là, que nous avons déjà appuyé récompense pour ça que nous travaillons pendant que nous sommes sur terre. Voilà pourquoi leur témoignage doit réveiller notre foi et notre espérance. C'est ce que nous apprend Saint-Jean dans la lecture de ce matin. Dans la seconde lecture, nous voyons que nous autres chrétiens, nous sommes tous des enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes appelés à partager sa joie. Même genre avec nous-mêmes, qui est petit, lorsque que nous comptons, nous faisons ça, les mêmes tout, les partager que content que nous gagnons, c'est même genre pour bon Dieu lui-même, les vrais faits que nous chacun. Partager que content. Et ceci, ce n'est pas un que content qui a passé, mais c'est un que content qui a duré pour tout temps. Nous sommes invités à accueillir la parole de Dieu. Nous sommes invités à accueillir son amour, puisque Dieu est amour. Voilà pourquoi Saint Paul dit, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire, si vous parlez de Dieu dans vous-même, ou pas rien. Si vous parlez de Dieu dans vous-même, ou pas rien.
c'est ça que vous voulez exprimer, je dirais, à travers fête, chaque Seigneur et tout Seigneur que nous célébrons maintenant. L'évangile qui est proclamé en ce jour, c'est l'évangile des béatitudes. L'évangile nous parle de bonheur. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire heureux ceux qui s'ouvrent pour se laisser remplir de Dieu. Heureux ceux qui s'ouvrent à la parole de Dieu. Heureux ceux qui s'ouvrent à son amour. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. En Haïti, nous, les Haïtiens, nous sommes de ceux qui pleurent. Nous sommes de ceux qui sont persécutés. Et cette bonne nouvelle est à nous Haïtiens aujourd'hui. Nous sommes appelés à nous réconforter les uns les autres. Nous sommes appelés à manifester notre espérance en Dieu, ce Dieu seul qui peut nous libérer, ce Dieu seul qui peut nous sauver. Heureux les cœurs purs, heureux les miséricordieux. Oui, chers et frères bien-aimés, c'est le message d'espérance qui nous est lancé aujourd'hui. Et nous voyons que notre monde croit que pour être heureux, il faut être riche. Il y a des gens qui pensent qu'on est capable, heureux, pour quelqu'un content, il faut être riche. Il y a des gens qui pensent qu'on est capable, heureux, pour quelqu'un content, il faut être nécessairement en bonne santé. C'est comme si les gens qui pauvres, les gens qui malades, ils ne sont pas capables heureux, ils n'ont pas de droit heureux. Il y a des gens qui pauvres, capables d'être heureux parce qu'ils sont riches. Il y a des gens qui malades, capables d'être heureux parce qu'ils sont qui en bonne santé. Donc, ce matin, je vous dis, mais ce matin, ça, que nous avons célébré, lui a encouragé nous pour que nous travaillions, nous vissions. Pour ne pas seulement arrêter à lamenter sur ça que nous avons passé en termes de difficultés, sur ça que nous avons subi comme persécution. Pour ne pas arrêter seulement à lamenter sur Jean pays nous les vins à marcher, je vous dis, nous pas gagné pour nous arrêter à lamenter sur tout ça, parce que le n'a des difficultés, la vie présente, nous sommes capables de détourner de l'objectif final qui c'est sainteté. Oui, tu as un jour, tu as une série de parents qui t'a l'église avec un petit que tu as gagné. Et voilà que dans l'église, ça, tu as un paquet de vitraux. Dans vitraux, ça y est, tu as une image, c'est. Et parmi ceux-là, tu as gagné la Vierge Marie, tu as gagné Saint-Joseph, tu as gagné un paquet de l'autre. Et parents saillants qui c'était des parents avisés, nous avons expliqué petit Yoa, mais qui laisse yon signe. Et lui-même, dans l'intelligence, il est venu comprendre qui ça yon sait capable. Il est venu une idée de qui ça yon sait capable à partir de l'exemple parole qu'il te prend avec lui de vitrouille. Et peu de temps après, ce petit ça, il a participé dans une catéchèse qui t'a fait dans l'école. Et professeur a demandé qui ça y enseigne. Rapidement, dit petit ça, les levés doivent les petits, m'a répondu question ça. Et à la grande surprise de tous, dit petit l'a dit, un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer dans sa vie la lumière de la parole de Dieu. Un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer dans sa vie la lumière de l'amour de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur veut faire de chacun de nous des saints. Voilà pourquoi nous-mêmes qui sommes chrétiens, là nous venons d'église, nous tendons des paroles pour Dieu, nous ne pas gagner pour nous quitter les paroles pour Dieu pour nous-mêmes. Nous gagnons pour nous quitter que la parole pour Dieu, ça, les traverser la vie et que la parole, ça, c'est lumière. Pour refléter dans la société. Oui, chers et frères bien-aimés, les saints ont vécu une vie toute saine. Il y a un monde qui sait, c'est pas un monde qui était nécessairement, il y a un monde extraordinaire, mais c'est un monde qui était quitté. Lumière bon Dieu a traversé dans la vie.
en communion avec tous les saints du monde entier, nous proclamons et nous chantons, Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, nous te bénissons avec tous les saints. Que l'exemple des saints nous stimule afin que nous devenions nous aussi des amis de Dieu, des amis qui partagent sa gloire, des enfants de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Et maintenant, sœurs et frères, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Que les hommes et les femmes de ce monde
se sent de plus en plus pauvre. Et parvienne à servir les frères et sœurs en ton nom. Seigneur, nous te prions. Toi-même est saint, donne le courage spirituel des saints qui sont dans ta cour céleste. Comble-nous de l'amour dont tu les avais comblés. Lave nos souillures, purifie nos cœurs et dirige-nous tous vers la sainteté. Au nom de Jésus, par l'intercession de tous les saints, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Tu nous demandes, Seigneur, de devenir des saints comme toi. Mais nous avons des difficultés à le devenir. Nous savons que toi seul peux nous aider. Nous venons te prier avec confiance et nous croyons que nos demandes seront exaucées par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voici, Seigneur, le verbe.
sœurs et frères, prions ensemble pour en offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et notre éloignement dans sa passion, Jésus
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il en dit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Max, le roi et tous ceux qui ont la charge. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu, Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à Haïti.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, échangeons un geste.
prie, Seigneur. Dieu qui se laisse, toi que nous admirons et adorons, en célébrant la fête de ton laisse, nous implorons ta grâce quand tu nous auras sanctifié dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en bienheureux au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Soleil pour la retransmission de cette messe. Allez.